après que tant d'émotions se dégager dans la parole, Madame Suze Mathieu, les révéler un bagage à qui point que Madame Mathieu est attachée à travailler, attachée à l'effort qu'elle a fait avec l'institution. C'est l'occasion, chère Madame, au nom du président de la République et au nom du Premier ministre et des membres du gouvernement, pour nous, l'État, nous dire merci pour ces 5 longues années de vie que vous mettez à la disposition de nos institutions d'État, qui est extrêmement importante par rapport à la crise que le pays a traversé depuis près de 200 ans, finalement. Nous disons merci de ce que vous êtes engagé à 100% dans l'exécution de tâche, de ce que vous avez mis des compétences, temps, disponibilité au service de l'État, donc au service du peuple haïtien. Donc nous disons merci. Et nous croyons que le sacrifice que vous avez accepté et consenti, nous ne croyons pas que vous avez fini aujourd'hui. Parce que si la vie apprend moi-même mon bagaille, il apprend moi que les sacrifices sont liés, sont proportionnels à l'engagement. Et nous ne pas engagé pour une période, pour payer ou engagé tout le temps qu'on est capable de vivre. Et tout le temps que vous avez réfléchi, tout en que vous êtes capable d'agir. Donc moi-même, moi persuadé, moi convaincu que Mme Suze Mathieu a gagné mille et une occasions et possibilités qui pour permettre de continuer, mettre compétences, les dévouement et au service de l'État et au service du pays en général. Donc nous disons merci Madame pour tant ça en vie qu'on t'est consacré déjà à l'État et c'est pas un aboutissement, c'est pas la fin. C'est pas la fin de tout. Mais comme nous connaissons, nous vivons dans un pays qui a construit et qui voulait construire de véritables traditions républicaines. Et la tradition républicaine voulait que structure l'État continuellement pour leur survie, leur efficience, leur efficacité. Doué et lui-même un devoir ou impératif que gain renouvellement dans personnel dirigeant. Et c'est ça qui fait que ça particulièrement gouvernement ça toujours assurer les engager faire en sorte que passation de pouvoir yo, transmission de responsabilité yo, faite en fonction des vertus républicaines dans la collaboration, dans le respect de tout un chacun et dans la reconnaissance des services fournis à l'État et à la population. Monsieur Josué, c'est l'occasion pour nous dire, dans nos ministères de la Culture, bienvenue dans tête Bureau national d'ethnologie. Prédécesseur-là, saute signaler ça, que défi Captain Noan immense. Et c'est un défi permanent parce que le défi ATK moins grand s'il s'agissait de construire un bâtiment physique. Le défi ATK moins lourd si c'est des kilomètres de route que nous avons pour nous faire. Ça ne veut pas dire que la route n'est pas importante. Ça ne veut pas dire que la route est facile pour faire. Mais comme là, on a parlé de construction de l'être haïtien dans son essence, dans son identité. Qui ça qui nourrit l'identité qui fait le monde, qui fait que le cas aspirer à un demain, qui fait le projeter dans l'avenir. Comment, qui ça le doit faire d'abord pour
pour identifier matériaux qui construit, qui constitue l'identité. Ça. D'abord, il faut la chercher, connaître, identifier, collecter, recenser. Pour Jean, nous t'a dit, nous avons lancé le programme national du patrimoine matériel et immatériel culturel haïtien. Pour nous arriver à un véritable registre national de patrimoine immatériel, nous, par exemple. Parce que nous croyons que sans ça, nous avons toujours des difficultés. D'abord, pour nous connaître qui est ce nous. Et là, nous ne savons pas qui est ce nous. Non seulement nous avons des difficultés pour exister, mais nous avons énormément de difficultés tout pour nous fonctionner avec l'autre monde. Et nous n'avons pas l'autre monde. Et nous risquons tout, souvent, quitter nous écraser nous par l'autre monde. Parce que nous ne savons pas qui est ce nous. Nous ne savons pas qui ça pour nous défendre. Nous ne savons pas qui ça pour nous réclamer. Et en fonction de qui ça pour nous réclamer. Image, nous avons pour nous projeter de nous-mêmes vers les autres. Façon, nous avons pour nous garder l'autre. Pour l'autre qui a gardé nous tout, pour l'autre qui a comprendre nous. C'est d'abord non, comment nous comprendre qui ça fait. Qui ça racine nous. Qui ça fait exister en tant que monde avant que n'existait en tant qu'un peuple, en tant qu'une nation, qui ont un destin commun. Qui ça qui ciment nous. Qui ça qui rassemble nous. Qui ça qui fait nous exister. Qui ça qui fait nous accepter la diversité. Qui ça qui fait nous accepter la différence. Qui ça qui fait nous comprendre tout la différence. C'est à partir de compréhension nous, de qui est-ce nous. En bref, côté nous sortis, et qui côté nous voulait aller, et pour qui ça? Et qui route pour nous prendre, pour nous arriver côté nous voulait aller? Donc, vous imaginez, responsabilité que sous dos là, je veux dire. On a gagné pour alimenter l'État, qu'on dit gros spécialiste, qu'on dit, même de manière subliminale, dans la prise de décision. Parce que l'État, pas qu'à fonctionner en l'air. Et ou pas l'importance travail ou importance et emploi défi capitaine noir. C'est où qu'a bien souvent pour alerter l'État pour dire mais pour qui ça une route pas qu'à passer dans miton la cour. Même si route la qu'apparaît c'est la modernité, même si route la capoter progrès, mais il risque détruit un bagage qui est tellement essentiel. Qui pour permettre chaque haïtien justement d'avoir accès à la modernité et comprendre la modernité mais surtout maîtriser la modernité. C'est institution là qui a bien pour attirer attention nous sur ça. Ou a bien pour attirer attention nous sur qui gens par exemple curriculum a monté dans le système éducatif haïtien. Sur qui ça pour mettre accent qui pour permettre que jeunes haïtiens viennent plus fiers d'être haïtiens. Ça permet de déjà apprendre plus vite, comprendre mieux, maîtriser l'environnement, comprendre l'environnement. Et c'est ça qui permet que l'hypothèque contribution de manière solide dans le développement du pays. Et nous devons multiplier à n'en plus finir, exemple. Et c'est vous-même qui ka ban nou route, qui ka puiser dans racine nou yo, dans tout patrimoine immatériel que nous gagnons, qui pour faire nous cultiver, pour nous faire nous pardon développer une culture de la paix. D'ailleurs la paix a tête nous. De nous pas connait qui est nous yé, nous pas en paix avec tête nous. Et si nous pas en paix avec tête nous, si nous chaque nous-mêmes constituons une guerre civile. Nous ne pouvons pas faire la paix avec l'autre. Nous ne pouvons pas vivre ensemble. Or, pour nous progresser, nous sommes obligés de vivre ensemble. Et pour nous vivre ensemble, il faut nous comprendre l'autre. Il faut nous comprendre qui est la destinée commune. Nous. Pour nous capables vivre dans le même cas, en bas même toit, dans le même pays. Pour nous préparer à un avenir meilleur. Pour ça qu'on venir. Donc, tu as chaud en pile. Et c'est vrai que
son plaidoyer qui pral constant et permanent. Parce que c'est vrai tout en même temps, nous connaissons que nous parlons en pile difficulté pour dire population, pour dire gouvernement, pour dire l'État. Mais réalisation. Parce que souvent, réalisation n'est pas visible. Il y a profond, mais n'est pas visible. Il n'est pas quantifiable. Nous n'est pas capable de compter 1, 2, 3, 4. Mais ça fait. Mais, vous m'avez qui est sûr et certain. Si vous embrassez mission, dans le sens où nous sommes parlé tout à l'heure, même si nous ne sommes pas capables mathématiquement quantifier ou arithmétiquement aligner, mais nous sommes sûrs que le changement qui pourrait le porter dans la société, qui pourrait le permettre que tout haïtien vive en harmonie, il y a l'autre là, qui pourrait permettre de nous lever justement défi nouveau millénaire ça. Capital ça qu'on pourrait rendre disponible, ou pourrait contribuer pour rendre disponible dans le pays, lui-même n'a pas un prix. Valeur tellement immense que le pape gain prix. Mais nous sûr que nous pourrons répercussions, les traductions, justement, dans la réalisation physique. Et c'est développement, identification racine qui pour faire nous en paix avec tête nous, qui fait nous connaître qui est nous, qui pour faire nous d'abord remet tête nous. Parce que si vous ne remettez pas tête, vous ne pouvez pas remettre l'autre. Et c'est ça qui pourra le faire que chaque grain haïtien pourra le comprendre avec plus d'importance comment pour le remettre le pays. Et que le pays c'est pâle. Et il pourra avoir une justification en dedans à partir de ce pourra le rendre disponible pour lui. Laissez-moi vous garantir, le souchan de masse là, le pape la grain pour jouer à la terre. Nous pouvons piquer à terre. Parce que le pape fait le salon là, parce qu'il connaît ça, c'est pour lui. Parce que nous comptons sur vous pour apprendre à haïtien, remettre le pays, valoriser ça, le gagner, fierté, ou pour le l'élément, pour le construire, pour le fleurir. Tant qu'on t'y plante, si vous pas osé, il pas grandi. Même Jacques, on s'en goutte, si vous pas fait le travail, c'est diminuer, la diminuer jusqu'à ce qu'il disparaisse. Donc, Namdou, bienvenue. On met de côté sous appui nous, sous soutien nous, sous disponibilité nous, parce que nous sommes conscients de l'immensité de tâche, captant nous. Prédécesseur, et même ça qui est plus loin, vous avez indiqué voir, vous faites déjà un bon bout. Moi, je dis tout à l'heure que le plaidoyer après le permanent. D'après l'obligé constant. Donc, ou même ou pas un bon bout pour faire tout. Ou pas jamais cap gagne fin fait tout. Mais, je suis presque sûr, sous je nous te parle, ou pas le faire plus que force ou, que force intellectuelle ou force physique ou, permet ou fait. Parce que dans la situation pays, je vous dis là, chaque monde a une obligation. Que ce soit un simple citoyen ou et particulièrement en tant que responsable, pour nous faire 300% de capacité, nous. Pour nous rattraper le retard que nous avons accumulé, parce que nous devons toujours pour comprendre comment pour nous faire pour nous vivre ensemble, pour nous pas nous craser briser. L'un nous craser briser, nous craser briser tête, nous. Comment pour nous sauver et sauvegarder ça, nous. Pour nous respecter l'autre, pour nous faire payer, grandir et aller plus loin. Donc, nous disons merci de ce côté accepter tâche ça. Nous disons, Madame Suze Mathieu, merci encore une fois pour ce quinquennat de sa vie que elle t'a mis à la disposition de l'État et de la population. Nous disons bonne continuation dans sa vie professionnelle et dans sa vie tout court. Et nous souhaitons beaucoup de succès dans la nouvelle activité que Libéral gagne. Et nous comptons sur lui pour lui, dans quelle que soit sphère que l'a retrouvé là, pour toujours porter contribution dans la valorisation identité nationale haïtienne. Nous dit directeur général,
Maintenant, vous allez prendre charge et c'est avec un immense plaisir que j'ai l'occasion de passer la parole pour avoir l'occasion de prendre connaissance et parler avec nouveaux collaborateurs. Merci.